Pourquoi ce sourire? Le silence en dit long. Patience, il peut l'être aussi. Pertinence de l'esprit, il le repose ainsi. Le bruit d'une science, parfois mépris d'impudence. À la fois, récit de prudence, il se tait quand ça balance. Mériterait même, je pense, pas un poème, mais une minute de silence. Droit de le garder. Caille, t'es satisfait ton village des champignons? Et que c'est nous qui l'avons construit! Oh! Le bruit du modem, qui se souvient de ce bruit-là? Fallait 10 minutes pour te connecter, et encore, parfois c'était plus long que ça. Une époque où on baissait pas la tête comme des zombifiés, on avait juste un vis, c'était le serpent, sur le 3310. Le paquet de clopes coûtait moins d'un bras, moins de 5 euros, je me souviens de ça. Le carburant aussi était plus bas. Avec le passage à l'euro, on a acheté des calculettes, mais pourquoi faire, disais-je. Ils nous l'ont mis, c'est net. Pas besoin de chiffrer pour connaître le prix d'une baguette, ils nous l'ont bien mis dans le cul. Puis l'arrivée du net. La télé aussi a bien changé, il y avait certes moins de chaînes, mais la débilité n'imposait pas ces chaînes. Ils préfèrent nous divertir plutôt que nous instruire et obligés de subir. Chaque année, c'est pire. Encore un empire qui nous utilise pour se remplir d'un peu plus de ronds et de pognon. Car force est de constater, il tournait un peu en rond dans une boîte qui était carrée, que tu pouvais réparer alors que maintenant c'est plat, et malheureusement tu ne peux pas. Tu peux juste la jeter, en changer, encore un moyen de consommer. Et même ça c'est programmé. Qui imaginerait qu'on aurait fabriqué des objets faits pour marcher qu'un temps donné? Défini par une société de consommation avec pour consolation une télé de plus en plus con. Et ils ont appelé ça la réalité, putain c'est osé. Alors parfois, je regarde amèrement là où ils veulent nous amener. Il ne faut pas regretter et avancer. Mais moi, ça ne me rend pas confiant. Et j'aimerais parfois voir tout exploser pour qu'on puisse enfin tout recommencer. Mais c'est de la merde, ton village de champignons! Tu vois, moi, je vis dans une cité en béton, puis ça me coûte pas cher! C'est pas comme toi, avec tes 101 nains! Jean-Pierre Coff.